qui, je dis dans notre ouvrage, La gloire des imposteurs, que il me fait beaucoup penser à Atété et que cela est inquiétant. Macky est venu au pouvoir, bon, personne ne s'y attendait. Ouais. Lui-même, probablement, je crois, a dû se dire que voilà, que c'est trop beau pour être vrai. À 50 ans, je sors de l'enfer pour être à la tête du Sénégal. Et il a été dans ce processus de lutte pour la prise du pouvoir tellement conscient du rejet de par les Sénégalais que, au fond, tout ce qu'il fait, c'est pour nous montrer que lui, il n'est pas corrompu. Cela, nous le savons maintenant. Mais qui est-il à part ça? Ça, c'est une question. Et ce que je vois, c'est un monsieur qui a beaucoup de tenue, qui a une grande retenue, c'est vrai, qui semble à l'écoute. Je ne suis pas un de ses proches, donc j'utilise des termes extrêmement prudents. Et je n'ai pas vraiment le sentiment, c'est ça mon problème avec Macky Sall, fondamentalement, qu'il soit conscient des dangers qui guettent le pays. Et les dangers qui guettent le pays, pour moi, ça n'a peut-être pas beaucoup à voir avec la réforme de la Constitution, avec pour les alliances électorales, quel parti ou quel autre, le report des élections. Ces questions sont importantes, mais en dehors de la sphère politicienne, il y a des faits de société auxquels tout le monde gagnerait à prêter attention. Un pays où il n'y a pas d'éducation, où une année scolaire ou universitaire normale est l'exception plutôt que la règle, où on se bat juste chaque année pour arriver au bout, quoi. Et on en voit les résultats. Et un système éducatif complètement par terre. Mais personne ne veut traiter ces questions-là avec la rigueur qu'il faudrait. Ces dizaines, voire ces centaines de milliers de talibis qui errent, ils se donnent dans les rues à tendre la main. Ils ont aujourd'hui quoi? Ils ont aujourd'hui entre 7 ans et 15 ans. Mais dans 10 ans, qu'est-ce que ça va donner? Boko Haram au Nigeria, ça n'a pas été une génération spontanée. C'est venu, tout le monde s'est demandé, mais d'où est-ce que ça sort? Mais en fait, c'était là et on n'y prêtait pas attention. Vous prenez également la lutte contre la corruption. J'y reviens dans une de mes lettres à Aminata Traoré. Pour moi aussi, c'est quelque chose qui est mené d'une façon que je n'aime pas. Au début, je me posais des questions. Hein. De toute façon, je n'ai aucune sympathie pour moi, son système et ses hommes. On ne traite pas la petite corruption. Et puis, moi, ce qui me gêne d'ailleurs, c'est que chaque fois qu'il y a alternance, d'une certaine manière, il y a eu alternance entre Diouf et Senghor. Mais d'une certaine manière, non, même si c'est à l'intérieur du même parti, Diouf arrive, il se présente comme un homme neuf, il va dire la corruption et tout ça, on va arrêter, il prend même quelques dispositions, et puis ça s'arrête là. Ouad vient, lui aussi se sert de la corruption pour se présenter comme un homme neuf, voilà, un dirigeant vertueux, mais aussi pour intimider ses adversaires. Ses adversaires. Et il est dans la même logique, malheureusement, Macky. Autrement dit, pour moi, le Sénégal
a atteint une telle maturité politique, les Sénégalais, qu'il faut sortir de cette époque où la lutte contre la corruption est un phénomène saisonnier. Voilà, la saison est ouverte. Et une fois que les alliances ont été organisées, que tout est mis en place, on laisse passer. Et on ne combat pas le phénomène en amont. Non, je pense que la corruption, il faut la combattre à tous les échelons. Tant qu'au coin de la rue, vous avez des gens qui prennent votre 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, tout le monde, les administrations sont corrompues. Si vous avez ça, mais vous pouvez être sûr qu'aux échelons supérieurs, cela se passe de la même manière. Et donc, le paradoxe, c'est que la saison est ouverte contre les corrompus de l'ancien régime, mais les autres qui sont en place, ils s'en donnent à cœur joie. Les Sénégalais doivent se dire cela. Qu'est-ce qui leur garantit que tous ceux qui sont en train de combattre les anciens corrompus du système WAD, eux-mêmes, se tiennent tranquilles? Oh, ce sera peut-être beaucoup moins voyant, mais en réalité, c'est le style, quoi. Voilà. Un coup de bloc. Et lorsque Macky ne sera plus là, je ne sais pas qui va le remplacer, mais aussi il va dire, ah mais vous savez, un tel, on a découvert que on ne peut pas continuer ainsi jusqu'à la fin des temps. Il faut fermer les portes de la corruption. Ce qui rend possible la corruption, il faut y mettre fin. Et il faudrait que celui qui est corrompu, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, que s'il le fait, c'est à ses risques et périls. Moi, je prendrai ce combat au sérieux le jour où on dira, ah ben, vous savez, tel ministre en activité a été pris la main dans le sac. On va le juger. Dans tous les pays normaux, cela se passe ainsi. Et donc ici, la fonction politique est une protection. Ça vous blinde, vous faites ce que vous voulez, et après on vous ennuie un peu, et on vous laisse tranquille. Donc, à mon avis, Macky a tout faux sur cette question. Je lui reconnais de la bonne volonté, quoi, du désir de bien faire sur beaucoup de sujets. Elle vient d'être mise en place. Moi, je ne connais pas les personnes qui sont dedans. Je ne sais pas trop comment ils vont agir, comment ils vont lutter contre la corruption. Attendons, j'attends, quoi. Voilà. Quand j'ai dit qu'il me fait penser à ATT, c'est aussi ça, le fait qu'il ne veut mécontenter personne. Maintenant, mon impression est que la France-Afrique, je pense, pour ce qui est du volet économique en tout cas, pour les entreprises françaises, ne se sont jamais aussi bien portées au Sénégal. Avec WAD, c'était une situation très difficile, parce qu'il était ouvert à d'autres espaces économiques et politiques. Je crois que son voyage à Benghazi, malheureusement, a été une gaffe historique monumentale, parce qu'après, il ne pouvait plus se présenter comme celui qui avait tenu tête aux Occidentaux. Sur des points précis, il a tenu tête. Mais comme il n'était pas très sincère, il a tout gâché avec son voyage à Benghazi. Et je me souviens qu'au début de la campagne électorale, dès que ces hommes ont commencé à le présenter comme celui qui avait résisté aux Occidentaux et en particulier à la France, je me rappelle un débat où Pénabo disait aux gens du PDS, mais et le voyage de Benghazi. Et après, il ne pouvait plus répondre. Donc oui, les gens, vraiment les Occidentaux, étaient beaucoup moins à l'aise. Mais en ce moment, ben, si vous voyez les renversements de situation dans la sphère économique, ben, on dit que ben, là, ils sont très très bien. Ils sont très bien, des accords militaires, quel que soit le nom qu'on
On donne à cela des accords militaires, une situation où les entreprises françaises sont omniprésentes pour acheter tous les marchés, souvent d'ailleurs sur le mode du gré à gré, sans appel d'offres. Bon, le sommet de la francophonie qui se prépare. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Non, je pense qu'il doit. Vous mettez ça dans le même lot. Oui, bien sûr. Le procès à Bray. Le procès à Bray, j'avoue ne pas être très très familier de ce dossier. Mmh. Voilà. Je ne connais pas tellement le sujet. Mmh. Voilà, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Mmh. Je préfère ne pas trop. Et évidemment, ça veut dire toutes ces rencontres-là où, on appelle ça sommet France-Afrique. Avant, maintenant d'ailleurs, on dit Afrique-France pour éviter. France-Afrique. Pour éviter, voilà, ce que nous savons. Mmh. Mais, vous savez, lorsque on compare un pays qui est malgré tout en déclin, il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires à tout un continent, c'est exagéré. C'est la France et ses anciennes puissances coloniales, même si, évidemment, dans une ambition économique très justifiée, très légitime, la France a laissé déborder, quoi. Les frontières linguistiques ne sont plus étanches. Vous avez parmi ces pays africains, des pays où personne ne parle français, comme la Guinée-Bissau, etc. Voilà, c'est évidemment, je ne vois pas ça d'un bon oeil. Il faut d'ailleurs savoir que c'est la deuxième fois que ça se tient au Sénégal. Je crois que ça s'était tenu en 89 ici. Ça fait bien sous Diouf. Voilà, sous Diouf. Et puis bon, on revient. Nous, on est des enfants gâtés. Okay. Vive le Sénégal, vive nos années françaises. Dans une des lettres que Aminata Traoré m'a écrite, elle montre que notre souveraineté est terriblement limitée. Et un des exemples qu'elle donne, c'est que, dit-elle, nous n'avons pas, même pas le droit de battre. C'est tout dit. Et personnellement, chaque fois que je rencontre les économistes africains, je leur dis, mais moi, je ne comprends pas que vous ne travailliez pas davantage sur la question de la monnaie, sur la question du franc CFA. Mais la monnaie, c'est un attribut important de souveraineté. Et puis, bon, on ne l'a pas. On n'a pas cette monnaie. Je pense que c'était quoi le CFA, maintenant c'est communauté financière africaine. Mais en fait, ça avait un nom très, 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 très colonial, voilà, qu'on a maintenu. Oui, honnêtement, j'estime que, n'étant pas économiste, ce n'est pas moi qui vais dire, voici ce qu'il faut faire ou pas, mais j'estime que nos économistes doivent prendre cette affaire-là à bras le corps. C'est eux qui ont l'expertise scientifique, ils connaissent ces questions, mais il devrait vous en parler.